ces tremblements de terre. J'espère que le sol est quand même resté stable. Dites, vous êtes chasseur, monsieur ? Ouais, on va dire ça. Pour tout vous dire, notre commerce cherche à ouvrir de nouvelles routes d'approvisionnement. De nouvelles routes ? Nous voulons négocier un accord avec un chasseur du coin, mais nous n'arrivons plus à le joindre récemment. Je crains une rupture de contrat. Si jamais vous passez dans le secteur, vous pourriez lui demander s'il veut plus faire affaire avec nous. Oh, crève de chaud. Salut, l'ami. Tu es bien chasseur. Tu te déplaces souvent en voiture, j'imagine. Ouais, relativement. Alors j'aimerais te demander un petit service. Si tu vois un chariot suspect au bord de la route, est-ce que tu pourrais récupérer son chargement pour moi? Il paraît qu'il a été attaqué en chemin. Le conducteur a abandonné véhicule et cargaison sur place. On peut dire que cet enfant est original. Ah, c'est juste un morveux qui se la joue. T'étais pas pareil quand t'étais petit, Ignis ? Pas que je sache, en tout cas, c'est sûr. Il fait trop chaud. Dites-moi, est-ce que vous seriez à la recherche de travail de chasseur par hasard ? Hein ? Pourquoi ? Alors, est-ce que vous pourriez faire un saut à ma ferme pour me rapporter quelques aliments ? Je pensais m'adresser au clan Meldacio, mais si vous avez du temps à tuer, ce serait plus simple tant qu'à faire. On vous expliquera les détails à la ferme. Et merci, hein ? Alors c'était pas une blague, le disque de Cotes est en feu. Mieux vaut rester à distance. Oh, mais c'est vous les fameux chasseurs qui viennent d'Insomnia ? Eh oui. Oh, c'est terrible, tout ce qui s'est passé là-bas. Si vous avez besoin d'un peu d'argent, n'hésitez pas à collaborer avec moi. En vérité, j'aurais une petite mission à vous proposer. Alors ? Eh ben, parle. C'est quoi comme boulot ? Un job facile. Il faut juste prendre quelques photos du disque de Cotes. Une vue du sud et du nord. Ouais, c'est faisable. Quoi ? Oh, vraiment ? Oh, vous me sauvez la vie ! Oh, il vous reste plus qu'à trouver un appareil photo. C'est bon, on en a un. Oh, vous êtes équipé ? Oh, quel garçon prévoyant ! Bah bien, hein. Revenez vite me voir, hein, une fois les clichés en poche. Sa proposition mérite réflexion. Hein ? Pourquoi ? Yangui Sourosh, c'est beaucoup trop facile. T'inquiète, on verra sur place. Thank you.
Dis donc, Noct. Qu'est-ce qu'il y a? Perso, je suis vraiment crevé. Ça te dit pas qu'on s'arrête à l'hôtel, là-bas? Après tout, on n'est pas si pressé. Ouais, d'accord. Oh yeah, un bon lit! Très bien, comme vous voulez. On fait quoi maintenant? On interroge les habitants? C'est Noct qui décide. Bienvenue au magasin. Merci à vous. Merci bien. Un peu de repos. J'ai vraiment fini par aimer cet endroit. Bonjour. Salut. Bon, c'est le moment. Ignis, il faut y aller. Juste une seconde. Donc, t'as mal au crâne quand ça tremble. Ouais. Une sorte de choc sismique sur l'organisme. Curieux. Quelle taille impressionnante. Ça, c'est dans mes cordes. Admirez la performance. C'est pas vrai.
T'es pénible avec tes missions en solo. Moi aussi, je peux... Dans ce cas, je te laisse ma place. On va vraiment se battre contre ça ? Par Dieu. Fais des prières ! Mince. Je sais.
Regarde ce que tu fais. Oh, je suis désolé. Et voilà. Écrase tout sur ton passage. Protège mes arrières. Évidemment. Je t'aurai. Maintenant. Je suis prêt. Gacho, vas-y. Bien vu, Gacho. C'est bon. Dégage. Prends-toi, tu gères. Cette fois, la peur va changer de camp. Bien joué, Prends-toi. Merci. Agnes, qu'est-ce que je fais? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Eureka! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Alors, il paraît que c'est derrière la chute d'eau. Bon, allons vérifier ça. Ah, j'ai l'impression qu'on peut passer. Tiens, je crois bien que j'ai trouvé une entrée. Alors, cette histoire est peut-être vraie? Edith, c'est moi où la température baisse. Ça vous dit pas d'aller chercher des manteaux? N'importe quoi. T'es une chochotte. Remarquez, il fait tellement froid que, si ça se trouve... Il n'y aura pas de démon. Tu parles. Ils s'en tapent de la température. Ouais, peut-être. Ah, mais il se pourrait qu'ils soient tous congelés. Comme d'horribles blocs de glace. Sauf qu'ils fondraient de plaisir à l'idée de t'en rencontrer. Ah, et ils me sauteraient dessus. Voilà le comité d'accueil. On a trouvé les contours. Et encore, en bout large. Attention à tes lunettes. T'inquiète pas. Prends-toi, tu gères. À l'attaque. Ça va? Oui. Noct, on fait aller. Mais attention. Débarrassons-nous de ça. Un malheur n'est rien à ici. Allez, on se motive. Ah !
traversé. C'est pas le moment de perdre. Prends-toi. Cette fois, la peur va changer de camp. Il fait quand même super froid là. Beaucoup trop froid pour moi. Je vais avoir des engelures. En tout cas, j'espère qu'on sera pas venu pour des brunes. Tais-toi un peu et cherche. Non, ça va pas recommencer. C'est pas le moment. C'est... Noct, tu sais que tes cheveux sont tout gelés derrière? Quoi? T'es sérieux? Protège mes arrières. Évidemment.
appris à faire ça, Nocte. Je meurs de soif. Et moi, je meurs de faim. L'important, c'est qu'on soit vivant. Faites gaffe, ça glisse. Avancez tout doucement. C'est ce que j'appelle vivre dangereusement. Concentre-toi. Oh, ça, j'avais pas vu venir. Dégage! Bon, quelle est la stratégie? Je t'en prie. Je me contenterai de les contourner. Cette voix,
La peur va changer de camp. Kladio n'a pas l'air en forme. Fais des prières. Comme... Regarde ce que tu fais. Oh, je suis désolé. Par ici. C'est assez périlleux de se battre dans le noir. Il pourrait allumer la lumière quand même, non? Nous aurions pu terminer ce combat plus vite. Note, tu vois ça comment? On improvise. Tu parles d'un plan? T'as la pêche aujourd'hui! Je sais. Bien sérieux de se battre dans le noir. Eh ben, les flingues, c'est pas la lumière. Pronto! Cette fois, la peur va changer de camp. Vite fait. Bien fait. Au suivant. Il y en a combien comme ça? Assez parlé. Passe à l'action. Très bien. Je sens que ça va être vite pour vous. On expédie ça vite fait. Je compte sur toi, Gladio. Sans doute. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Bien vu. Très bien. Il n'y a rien d'intéressant ici. T'as bien regardé partout? Mais évidemment! Où est-ce que ça peut être? Continuons à chercher.
J'en étais sûr. Ça finit en cul-de-sac. T'as rien trouvé du tout ? Rien que de la glace. C'est vrai qu'on en manquait. Hé, Noct. Tu sais où tu vas ? Commence pas. On est complètement perdu. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi ? On sait même plus par où on est arrivé ! Super ! L'épée serait cachée par là ? Il y a des chances. Eh bien, allons jeter un coup d'œil. Cette fois, la peur va changer de corps. Pas facile à coincer, celui-là. C'est assez périlleux de se battre dans le noir. On va allumer la lumière quand même, non ? Suis pour moi ! C'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Nadio.
problème. T'inquiète pas pour moi. L'échec n'est pas une option, non. Je sais. Tranquille. Par là ? Ou par là ? Bon, tu te décides ? Par là, c'est sûr. Je suis frigorifié. Oh, qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon petit bol de soupe bien chaude. Ouh. Bon, on devrait plus être très loin là. Enfin, j'espère. Regardez, il y a une porte. Il semblerait que nous touchions enfin au but. Évidemment, c'est bien gardé. Ça tient lourd. Ça serait bien trop facile sinon. À mon tour. Je meurs de faim. L'important, c'est qu'on soit vivant.
on sent revivre. Noct, ça va? Mais qu'est-ce que... C'était quoi, ça? Quoi? Un cratère. Un feu éternel. C'était le météore? C'était le disque de Kotès. On ferait bien de prendre la route de l'Estaloum. Allons raconter ça à Talcott. Ah! Je dors debout. Ah, mais comment j'assure quand je veux? Moi aussi, je veux me téléporter, c'est pas juste.